Coucou les petits anges de Marie. Coucou. Eh bien aujourd'hui nous sommes le 30 juillet et comme vous le savez, c'est l'anniversaire de Marie. Donc elle le vit pas très très bien d'avoir 30 ans. Je pense qu'elle a dû vous le dire sur des réseaux sociaux. Nous en tout cas on l'entend. Depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois. Que 30 ans ça le fait pas du tout. Depuis qu'elle a 29 ans. Donc on a improvisé un petit peu. Désolé si ça bouge un peu. C'est parce que nous on n'a pas de caméra. On n'est pas très youtubeuse quoi. Donc aujourd'hui on lui organise une surprise pour son anniversaire. Une belle surprise, avec la participation aussi de Jess et Dodo, mais qui peuvent pas être là puisque Dodo travaille et Jess est à Dijon, comme vous le savez. Voir le vlog Dijon. Pour ceux qui l'ont vu. Et donc aujourd'hui, on emmène Marie faire sa semi-pigmentation des sourcils. Donc elle s'y attend pas du tout, je pense qu'elle va être surprise. Et en fait, tout au long de la journée, on va essayer de filmer. Donc là, on va aller la chercher, je vais pas filmer du tout. Mais par contre, quand on va arriver au boudoir du regard, c'est ça, tout à fait. Au boudoir du regard, donc Paris 16e. Oui. Là, je vais filmer donc la surprise, pour que vous voyez un petit peu sa tête quand elle va se rendre compte qu'elle est assise devant un miroir et prête à se faire ça. Et je vais filmer un petit peu la prestation avec l'accord des dames, hein, du boudoir du regard qui m'ont donné leur accord. Voilà, donc on va la chercher, on vous dit à tout à l'heure et puis bah bonne journée. Salut. Allez, sors. En plus, tu me donnes la main? T'as entendu dire allô, c'est pour ça. N'aie pas peur, vas-y, ferme la portière. Regardez si elle ça va, Marie? J'aime pas, je peux pas marcher comme ça. Lève le pied. Lève, plus haut. Voilà, il y a une marche. Vas-y. Allez, viens. Viens par là. Chouchou, t'es où? Je suis là, moi. Non, viens. Je vois pas mes pieds, c'est chiant. Allez, on avance. N'aie pas peur. Y'a rien. T'es sur du plat. Y'a pas des crottes de chien et tout, des cailloux et tout. Bien sûr, on est dans la forêt. Ah ouais. Et y'a des voitures dans la forêt. Et tu es obligé de mettre un parc-mètre dans la forêt. Ouais. N'aie pas peur. Les boîtes de boue, c'est. On t'emmène au bois de Boulogne, hein. Ça grimpe comme bois de Boulogne. Il y a déjà un côté dans me voir. Non, t'inquiète pas, on n'a pas des ridicules du tout. C'est trop. Allez, viens. Arrêtez. Donne-moi la main. Donne-moi la main parce que là, il y a des tables. Viens. Il y a des tables? Mais oui, on passe devant un café. En fait, c'est là, on t'emmène dans un Marie, café. Avance, n'aie pas peur, je te promets, il n'y a rien, c'est tout plat. On te tient là, on te tient toutes les deux. Marche normal. Mais attends, je vais te mettre un truc sur les yeux, tu vas voir. Oh, il t'arrête. Donne-moi correctement la main. Voilà, allez, viens. Moi je t'ouvre le chemin et Sonia elle te tient. Voilà. Et moi je le ferme. N'aie pas peur, oh là là. T'es belle avec ton petit bandeau avec de la dentelle et tout. Ça fait un peu Christian Grey. Tu vois même Sonia elle a failli tomber. Ça fait un peu Christian Grey ce petit bandeau. Oui bah écoute, c'est pas trop mon truc. Oh nous ça nous fait bien rire en tout cas. Christiane verte. Christiane Grey. Allez. T'as froid, c'est vrai? Ça va. Bah je tremble en fait, regarde. C'est parce que tu stresses. Oui, c'est moi, ils sont gelés. Tu trembles, ma pauvre. T'inquiète, on est bientôt arrivé. Dans 15 minutes. Dans une demi-heure, encore une demi-heure de marche. Ça veut dire que c'est bon voiture. Ah bah non. Non, ce que tu dis, ça a une demi-heure. Je sais que je voulais vraiment trouver une place où... Attention, parce que là, il y a un gros caca de chien. Avance, c'est derrière moi. Vas-y, voilà, c'est bon. Tournez là. C'est trop drôle, non, avance non, c'est toi qui veux. Marie, tu me fais mal au bras parce que t'avances pas. Mais oui, avance. Mais tu marches trop vite. Mais oui, mais tu marches trop lentement toi. Y'a rien, tu marches trop lentement, t'es sur du plat, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Un enfant, moi j'aurais pris par les leçons, mais j'aurais mis un coup de pot au cul. Bien. Alors, mets-toi là, s'il te plaît. Mets-toi là. Là, merci. Alors, comment ça va? Non, ça va comment pas. Tu te sens... Ça va pas? Tu te sens pas bien? Enlevez-moi ça. Non. Ah bah non, on enlève rien. T'es prête? Allez, allez, mets la musique. T'es prête? Bonjour. Bonjour. Il y a une marche? Il y a une petite. Non, Rikiki, rien du tout. Allez, rentre. Bonjour. Alors, elle s'appelle Marie. Bah, bon anniversaire. C'est son anniversaire. Merci, tu peux enlever cette chaussette? Non, pas encore. On attend un peu. On a envie de t'embêter. T'es bien avec ce petit bandeau? T'es bien avec ce petit truc? Sortez les gars, sortez, c'est bon, vous pouvez. Ça va Marie? Ça va, mm-hmm. Pour l'instant ça va. Alors,
C'est le fait de les maquiller tous les jours en fait. D'accord. Voilà. Au niveau de la forme, de l'épaisseur, c'est quelque chose où peut-être vous pose problème. Ouais, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus épais quand même. D'accord. Puis de fait, on va depuis le début. Ouais, effectivement. Ok. Et, c'est vrai que j'ai du mal à les faire commencer plus proche. Ouais. Je sais pas après si bon, après, est-ce qu'il y a besoin de les faire commencer plus proche? Ça, je vais vous dire. Je ne sais pas forcément. On ferme les yeux. Parce que si vous le remontez énormément. Systématiquement. Ouais. Alors, on va s'asseoir face au miroir, comme ça je vais regarder un petit peu au niveau des asymétries. Alors, on ne pourra jamais les avoir strictement symétriques parce que là, musculairement, c'est pas grave. Hein, c'est souvent. Voilà, vous remontez énormément. Alors, fermez les yeux. On va même les fermer. On va faire le maximum pour les rendre le plus symétriques possible. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une restructuration. Donc on va vraiment épiler tout ce qui ne sert à rien, couper un petit peu, donc garder le maximum d'épaisseur. Et par la suite, je vous fais un dessin en crayon pour vous montrer ce que ça va donner au niveau de la forme, de l'épaisseur, quand on aura pigmenté. Ok ? Déjà, on voit avec le dessin ce que ça peut donner déjà. Ouais, c'est juste un dessin, mais déjà on peut voir la forme que ça va. C'est juste un dessin de pigmentation, donc encore après ce sera. C'est encore différent. Exactement. Parce qu'après le dessin de pigmentation, si vous voulez, c'est plus un maquillage, je crois, hein, que je vais faire. T'as choisi la couleur ? Non. Ça c'est en fonction de. La couleur, là, c'est la facile, c'est du blond. Hein. Non, j'ai 36 000 possibilités, c'est pour le coup, on va pas faire du marron parce que ce serait beaucoup trop compliqué et ce serait pas du tout en accord avec la carnation, ni le brun, ni la couleur de vos cheveux. Donc on va plus être sur un blanc cendré, un petit peu comme vos racines. Ouais. Là-bas, sur les yeux, ça sera plus adapté. Je suis tout rouge. Le résultat, ça va faire un petit peu différent. Donc là, déjà, c'est avec le dessin. Voilà. Ouais, ça va faire beau. Ça va faire très beau. Et maintenant, vous allez souffrir. Allez, maintenant, c'est la souffrance. Il y en a plein de gens qui font ça, la pigmentation de sourcils. Je vais filmer un tout petit peu et après, on vous laisse. Ouais, parce que... Allez, allonge-toi. Moi, ça, c'est comme ça, je pense à la fin, en fait. Je pense aux résultats et du coup, ça... Ça motive. Oui. Merci pour la petite Non, ça va, ça reste comme ça, ça va être. En fait, c'est une couleur, quoi. C'est comme quand tu te teins les cheveux, quand tu... Il pigmente de la couleur, quoi. Ça reste quand même de la pigmentation. Hein. Du coup, ça va être facile à peu près d'épiler. Bah aussi, oui. C'est pratique. Allez. Coucou Marie. Hello. T'es contente de ta journée? Si je vous regarde pas, c'est normal, c'est ce que je souhaite dans la tranche. Si tu me mets devant toi, tu l'auras peut-être plus. Ouais, non, ça fait mal. Ça marche pas? Non, j'ai mal aux yeux à cause de ça. Ça va, Sonia? Ouais, ça va. J'ai failli m'étouffer, mais ça va. Alors, t'es contente? Vous voyez jamais chouchou dans les vidéos. Non. Bon, attends, je vais essayer de zoomer sur tes yeux. Alors là, merde. Là, ça a un peu saigné. Donc c'est normal, ça fait depuis ce matin qu'on a fait ça, il est quelle heure là? Tu l'as fait à 11h. Il va être, il est plus ça va mieux, hein, c'est plus voilà. Rouge déjà. T'es juste non, un petit peu marqué sur j'ai les pointes. J'ai pas mal, franchement. Ouais. J'ai pas mal du tout, mais ouais, ça a saigné quoi. Mais franchement, le résultat il est trop bien et les filles elles sont trop sympas là-bas, elles sont trop gentilles. Et elles nous ont bien accueillies. Je crois que c'est une responsable qui a fait ça, je suis même pas sûre. Je crois que c'était la responsable, ouais. Je pense aussi. Mais elles ont bien travaillé. Voilà. Et là, on est à la Défense. Ouais, et on mange des glaces. On mange des glaces. On a été au centre commercial les quatre temps. Voilà, on s'est bien promené. C'est beau, la Défense. C'est trop beau. Voilà. Hey, hey. Bye, bye. Bye, bye.